Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 All Gen pour vous faire part d'un petit glitch qui vous permettra de mettre un casque, un masque sous un casque. Alors je sais que ce glitch est très connu, que beaucoup de personnes l'ont fait, moi-même je l'ai fait, mais je le trouve vraiment épique, surtout avec les nouveaux masques que Rockstar nous ont mis avec le DLC d'hier. Donc là vous pouvez voir que j'ai quand même une tête de con avec le pain d'épices et le masque. Vous allez voir que je vais vous faire un petit zoom juste après. Donc pour réaliser ce petit glitch, il vous fera aller dans le club de striptease. Une fois devant le club de striptease, vous allez appuyer sur back ou select, et là vous allez sélectionner le masque que vous voulez mettre sous votre sur votre masque. Donc moi je vous conseille le casque étoile comme j'ai moi. Et une fois que vous avez sélectionné le casque que vous vouliez, vous allez tout simplement rentrer dans le club de striptease. Votre masque, votre casque va se retirer automatiquement, et là vous allez devoir mettre le masque que vous souhaitez. Donc moi j'ai fait un petit test avec le pingouin, et vous allez voir que c'est pas, ça c'est drôle mais pas autant que le pain d'épices. Donc là je suis avec le pingouin, mais je trouvais ça pas très drôle comparé avec le pain d'épices, parce qu'avec le pain d'épices on voit vraiment les côtés qui ressortent sur le côté du casque, et on voit vraiment une tête de une tête avec un gros sourire, etc. Je trouve ça vraiment épique, donc c'est pour ça que je voulais partager. Donc là je me remets avec le pain d'épices, et regardez moi un peu cette tronche que je tire, et franchement je trouve ça vraiment très très drôle. Après vous me donnerez tous vos avis dans l'espace commentaire. Là je vais me rendre devant un mec et vous allez voir qu'il va pas aimer la tronche que je vais lui faire, donc du coup il va me frapper. Donc ça prouve que les personnages n'aiment pas forcément la tronche que vous pouvez avoir, et je trouve ça vraiment très très drôle. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage, et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, si vous voulez d'autres vidéos sur GTA 5. Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde.